En voiture, c'est moche. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. T'as vu ça? Oh là là. Bah, t'es très belle, très élégante. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de succès, mais aucun n'a plaisir. Mais avec eux, papy. Ah, comme oui. On va te le brancher et comme ça tu pourras me téléphoner. Je suis sûre que ces histoires pourraient intéresser bien plus d'une personne. Je lui ai proposé de filmer. On a commencé à ce moment-là. Je te faisais les ongles. Tu me racontes ton histoire avec papy. Voilà. Oui, ton histoire avec papy, c'est là que tu me la racontes. Et première vidéo, 3 millions de vues. T'imagines 3 millions de personnes? Ça fait beaucoup, hein. Mais c'est vrai qu'au début, vraiment, tu voulais tout me raconter, quoi, je m'en rappelle. Ah oui. Moi, comme j'y vais, je suis lancée, allez. Et toi, t'as dit que tu partirais à 120 ans, donc on a encore pas mal d'histoires à raconter. À 120 ans, je partirai. Tu sais, quand on vient te voir dans la rue, on te reconnaît, on te dit « Mais c'est vous la dame des vidéos, on peut prendre des photos et tout. » Ah, mais oui. Qu'est-ce que tu ressens, toi, à ce moment-là? Oh, ça me touche beaucoup. Ouais. Je sais pas, je me sens fière. T'aurais pensé un jour que ça t'arrive? T'aurais pensé un jour? Oh, jamais d'avis. Jamais, un miracle. Ah oui, parce que t'es une star, là. Ah oui, ah oui. Il a fallu qu'elle soit avec moi pour que je revienne comme avant, comme j'étais jeune. Je me porte bien, je me sens bien auprès d'elle. Je sais pas, je crois qu'elle m'a donné l'espoir de vivre encore plus longtemps que je pensais. Ah, oui. Quelquefois, on va discuter, elle va me dire, par exemple, je suis jamais allée au zoo. Ben ok, on va y aller. On va voir les girafes. Oh là là. Que c'est rigolo. Mais moi, tu sais, avec mes moyens, j'étais assez modeste, donc on n'est jamais parti en vacances. La dernière fois, on a loué quand même une maison de fou. La maison cet été. Oh là là. Voilà. Avec cette grande piscine. Voilà. Punaise, mamie, c'est la belle ville, hein. Voilà, oh là là. Là. Non, mais elle est toute seule. Mais son temps. Elle me fait faire une robe de mariée. Parce que j'en ai jamais eu à moi. Alors elle va m'emmener pour me faire essayer et que je choisisse. Oh là là, qu'est-ce que je suis belle. Je ne me vois pas, mais je suis belle. T'es trop belle. Oui, mais les jeunes, ils devraient s'occuper un petit peu des grands-parents. Pour nous, c'est le message principal, c'est s'occuper des grands-parents. Que les jeunes devraient s'occuper un petit peu. Voilà, ne pas les laisser seuls. Surtout quand ils sont déjà âgés. C'est que c'est une chance. Il y en a plein qui rêveraient de pouvoir encore avoir une discussion avec leurs grands-parents. Tu m'as donné la joie de vivre et tout. Et je me sens tellement bien. Mais tant mieux, mamie. Ça me fait très plaisir.